What is the consumer or the business customer of these financial institutions going to think the next time another technological innovation comes up? How is that going to be perceived? More and more now we have chips in our credit cards. That is, the intent of that is to diminish fraud and the operational cost to financial institutions. Clearly. Well, that is something that we work with the banks. We agree to do that because everybody benefits. As long as their costs are down, the cost of doing business with the bank also stays down. But something like this, which doesn't put a price tag to it, if I am not certain that when I log in to my online banking and my accounting and all of that that I do online, if the next time I save something on my USB stick, I carry a virus that I could bring to my work, etc., the contagion is absolutely viral. And that is something that we can't put a price tag to. That indirect cost is the more interesting of the two costs. Je ne suis pas en train de promouvoir comment frauder les institutions canadiennes, mais supposons qu'on veut planifier justement une attaque, que ce soit avec Mariposa ou un autre virus. Commençant ici au Québec, ce serait une place idéale. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une concentration au niveau clientèle actif et passif dans nos institutions financières ici au Québec, que ce soit la Caisse ou que ce soit la Banque nationale. On sait qu'ils ont vraiment une dominance au niveau le marché ici québécois. Et qu'est-ce qui est intéressant? Que si effectivement il y a une attaque qui est concrétisée ici au Québec, le virus et la façon qu'il va se propager dans le reste du Canada, aux États-Unis et partout au monde, une fois qu'on a un risque qui est concentré ici au Québec, de voir ce risque se propager après, ça se fait très facilement. C'est une question de temps où on va voir justement que ça peut commencer ici au Québec et ça se propage rapidement et effectivement.